Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un arbuste, le cornouiller sanguin. Alors, son nom de sanguin, il vient tout simplement de la dorure rouge qui va prendre sous l'effet du soleil au niveau de ses branches et aussi de ses feuilles. Il a, pour le reconnaître, c'est assez simple, des feuilles qui sont opposées, donc l'une en face de l'autre. Et ce qu'il y a de magique avec ces feuilles, eh ben, c'est qu'elles vont nous permettre de faire un tour de magie. Donc, comme vous pouvez le voir, il a des nervures qui partent toutes vers la pointe de la feuille jusqu'à être presque parallèles. Et justement, grâce à ces petites nervures, en les découpant le long de la feuille délicatement, hop, je vais pouvoir faire voler le bout coupé. Voilà, magie. Bon, alors en vrai, si vous regardez bien, les nervures justement, elles sont filandreuses. Il y a comme un tout petit fil blanc qui va permettre de maintenir le bout découpé de la feuille. Voilà. À vous de jouer et rendez-vous dans la nature pour d'autres découvertes.